Salut tout le monde, c'est Largouin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour la série Bordelic. Donc bon, j'ai toujours pas changé de nom du serveur aussi. D'ailleurs, donc si vous avez des propositions de nom du serveur autre que Bordelic, donc c'était avant surtout, là c'est plus trop le Bordelic, c'est un faction maintenant. Donc si vous avez des propositions de nom, n'hésitez pas à les mettre en commentaire tout simplement. Donc voilà. Et du coup, voilà, donc là on va un peu commencer. Donc là, on va tout simplement commencer dans cet épisode. On va essayer de faire en premier, donc là, débloquer le small backpack. Donc je sais pas comment on va pouvoir faire le craft après. Il y a donc la portable de spin, on peut la faire direct. Donc il nous faut vite de faire, voilà, dans cette machine là ce que c'est marqué, hop, et voilà, comme ça, et nickel. Bon, il y a juste pas de bruit, donc je vais mettre le son. Voilà, bon, j'ai réglé un peu le son, même si c'était ok normalement. Donc là, voilà. Là, du coup, on a une autre portable dustbin. Donc, poubelle portable, tout simplement. Donc, clic droit avec. Et là, on va faire un petit test. De quoi est-ce qu'on n'a pas besoin du tout? Logiquement. Ouais, ça. Ça, on n'en a vraiment pas besoin de cette pioche. Donc voilà. Et là, on l'a plus. C'est nickel. Donc voilà, on a une poubelle portable. Ok, où on a trop de stuff sur nous. Après, faudra pas confondre avec le backpack. Même si le backpack, il fait... Non, on sait pas à quoi ça ressemble, le backpack. Ouais, on sait pas. Under backpack, d'ailleurs, il faut du cuir. Bon, il y a underlame, donc on peut pas. Mais on peut pas pour le moment. Donc là, il y a portable crafter, donc il faut un livre. Donc là, on peut aller trouver du cuir en même temps des niveaux, comme ça on va débloquer pour le small backpack. Donc voilà, là on va monter. C'est la nuit. Oh parfait, bah du coup parfait, oui, c'est la nuit. Voilà. C'est parfait parce qu'on va trouver des mobs en fait. Donc là, bon ok, il y a un cochon, c'est pas un mob. Si, c'est un mob en fait, mais c'est un mob passif. Donc bon, on le tue quand même, écoutez. C'est juste parce qu'on est obligé d'avoir des niveaux. Pourquoi je casse toutes ces feuilles avec... Quand même, je casse toutes les feuilles avec la l'épée pour rien. Ça épuise plus l'épée qu'autre chose. Ah, coucou. Salut. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bruit qui vient du jeu. Mais c'est peut-être de mon côté. Donc voilà. C'est pas grave. Donc, si vous avez du son du jeu, n'hésitez pas à le dire en com... Ah! Ah, ok. Est-ce que ça veut le tuer? Hop. Non. J'entends pas. J'entends aucun son. Bon, c'est pas grave. Donc, ok. Ouh, niveau 14. Niveau 15 pour bientôt. Oh, un creeper. Et là, tac. Non, ouais, bon, il va... Oh, même pas, il a pas explosé. Yes. Vas-y, reviens. Putain. J'aime pas trop ces lags là. Yes, ah oh, bon, ok, il m'a rien donné, c'est un radin. J'ai pas beaucoup de niveau à cause de lui. Voilà, j'aime bien les creepers. Pour une fois que j'ai envie qu'ils viennent vers moi et qu'ils soient attirés par moi. Les squelettes, un peu moins, parce qu'ils font quand même plus de dégâts. Mais les zombies, ouais. J'avoue, c'est bien utile. Hop. Là, tac, tac. Oui, j'ai vu. Je t'ai vu, coucou. Et ouais bah un lit, est-ce qu'on en a un? Je suis même pas sûr, on a juste le home. Donc ah ouais bon, on avait la laine quand même. Mais voilà, c'est un peu plus simple avec les 6... Oh yes, niveau 15. Coucou, fais gaffe, voilà. Merci. Ouais, du coup on va retourner au home. Slash home. Voilà. Et là, on va pouvoir débloquer notre backpack. Donc, on n'a pas, ouais, pour le moment, on n'a pas trouvé de vache. Donc, c'est small backpack. Hop. Alors, comment sera le craft? J'imagine, il va être compliqué en vrai, je pense. Bon, ah, ça a débloqué tous les backpacks de la liste. Ok. Pour les crafts. Ok. Alors, attends. Ah merde. Gold ingot. Locked. alors, où est-ce que c'est? C'est... Oui, Lumps and Magic. Gold Ingot. C'est le numéro combien? Je sais pas. Non, c'est pas là. Non. C'est...
CCC. Magical. Non. C'est où est-ce que c'est? Gold, GPS, fuel, power, batterie. Ici, miss, ah, ça doit être là-dedans. Sift, or, chain, hook. Ouais, alors où est-ce que c'est l'or? Ok, non, toujours pas. Gold, bloc. 24 carats, c'est pas ça. Ok, bon, bah, je vais chercher et puis je vous retrouve dès que j'ai trouvé. Ah, je crois que j'ai trouvé, donc c'est du coup dans ressources and alloys. Donc alloys, ça doit être alliage, voilà, en français. Donc les ressources et les alliages, donc alliage de fer et tout. Donc nous, il nous faut de l'or. Alors où est-ce que c'est l'or? Ouais, ça doit être en bas en vrai. Ah, ok, copper, tin, silver, ok. L'autre page. On a du zinc, magnésium, sulfate. Putain, il y en a la masse! Gold ingot 24 carats. Non, c'est pas lui. Pas 22. Pas 20. Ok, donc c'est 7 pages, mais il faut savoir quel type d'or il nous faut. Under... Non, c'est pas lui. Quoique. C'est du combien? Underlum 2? Non, ouais, bon, on va voir après. Lui, 16, 9, 18 et tout. Donc forcément... 14 carats et lui il en faut du 10 carats. Ok, donc ouais, c'est un peu plus rare les autres. 6 carats. J'espère que c'est pas trop, que c'est pas énorme par rapport à ce qu'ils vont demander. J'espère, parce que sinon je vais mettre 3 ans à trouver. 6, 6, 6, 6, 8, 6, 4. Oh, yes, il faut 7 niveaux les deux. Bon, on va au moins les débloquer de toute façon. Et du coup, on va chercher du cuir pour le reste, pour l'autre craft. C'est l'Under Backpack, il me semble. Non, non, pas l'Under, c'est... ouais, table de craft portable. Donc, où est-ce qu'il y a du cuir? Faut se barrer quand même, parce qu'il y a... Il y a quand même un creeper, je crois. Non, c'était un squelette qui nous attaquait. Donc, faut quand même aller assez loin. Et là, bah du coup, là, on va se crafter... Sans notre table de craft portable pour le moment, on va se crafter un petit bateau au cas où on doit aller sur l'eau, parce que je vois de l'eau à côté. Hop, un bateau, ouais, deux d'ailleurs, deux bateaux. Voilà, on s'en met un et un deuxième. Voilà, comme ça on va pouvoir aller sur l'eau et puis trouver notre cuir. Voilà, là, ouais, bof. Non, il n'y a pas tant d'eau que ça. Et d'ailleurs, ouais, je vous avais pas dit, j'ai trouvé de la canne à sucre ici. Du coup, on a l'autre truc pour le livre. Et j'en ai récolté un peu dans le coffre, mais du coup, ça a poussé depuis la dernière fois. Donc là, je vais en replanter. Hop, voilà, comme ça. Bon, je replante tout, comme ça, on en a un max. J'en ai déjà deux ou trois dans mon coffre, je crois. Donc, ça devrait aller. Voilà, et hop, on est à 3. Et là, on fait gaffe avec les feuilles. Voilà, comme ça va normalement pousser, j'espère. Et le dernier qu'on peut poser, juste là. Voilà, donc là, il nous faut du cuir. What? Putain, il y a eu un bug avec le poulpe là-bas. Bon, où est-ce qu'il y a du cuir? Les petites vaches! Où est-ce qu'elles sont? Là, non. Ouais, non, il donne pas de cuir en 1.8. Ensuite, nous avons... Ouais, en vrai, je vais me prendre des cisailles. Ça va être... Voilà, ça va être pratique. Comme ça, je vais prendre tous les moutons qu'il y a sur le passage. 236 utilités encore. Ça va. On va pouvoir tenir tout le long du chemin en plus. Oh, un biome marais! Est-ce qu'il y a vraiment une cabane de sorcière? Est-ce qu'il y en a une là? Est-ce qu'on a de la chance et qu'on va trouver ce que j'ai envie, donc une cabane de sorcière? Déjà, bon, ce qui est bon, c'est qu'on connaît cet endroit, donc là, slash cet homme, et on va l'appeler Marais. Voilà, Marais. Voilà, comme ça, on l'a. Donc, bon, je sais pas combien de homes je vais me limiter, sachant que vous avez une limite en plus. Donc, à la limite, je vais voir pour me limiter un certain nombre de homes par rapport à mes permissions aussi. Mais du coup, voilà, je vais pas les mettre illimités au moins. Bon, les
les cochons. Ouais, bon, j'ai pas besoin de les tuer là pour le moment. Ça va, donc, oh! Est-ce qu'on... Non, pas de vache. Il y a juste un cochon en haut des arbres. C'est Spider cochon, Spider cochon. Bon. Alors, oh, ils m'ont donné pas mal de laine. Avec la laine, qu'est-ce qu'on peut faire à part un lit? Ça, par contre, j'en ai pas trop d'idées. Donc, faudrait voir par nous-mêmes après. Ensuite, du coup, là, on peut essayer de voir où est-ce qu'il y a vraiment des... Bon, on a canne à sucre là-bas, ok. De toute façon, j'ai mis un home il y a pas longtemps. Je vais le mettre là, voilà, c'est plus au milieu du marais. Comme ça, on s'y retrouve plus facilement. En fait, il y a la masse de canne à sucre. Il y en a là-bas, là-bas, et derrière. Il y en a beaucoup dans les biomes marais. Ah, mais je suis peut-être un peu con parce qu'on peut faire slash play. Mais du coup, il faut que je sauvegarde mon home base. Voilà, parce qu'en fait, avec le slash play et comme tous les random TP que j'ai pu tester en plugin, si on fait un random TP, on peut être TP, si on TP trop loin, on peut être TP dans des blocs. Donc il faut faire gaffe, préparer la commande. Là, je sens que je vais TP dans un bloc. Non, même pas. Ok. Donc là, oh, biome de neige. Est-ce qu'on a ce qu'on cherche? Bah, a priori, non. A priori, il y a que de la neige. C'est le Groenland. Bon. Bah, d'accord. Non, il n'y a pas moyen de... Si, là-bas, peut-être. Peut-être là-bas, en vrai. Je sais pas. Bon. Est-ce qu'il y a un truc là-bas? D'ailleurs, ça me fait penser que ça serait cool de rajouter des flèches qui téléportent des underpearls en flèches. Ce serait trop cool. Parce que là, du coup, j'y vais tellement lentement. Ah, du coup... bah non, y a rien. Vraiment rien. Ok. Bon, bah je le reprends réellement dès que je trouve des vaches. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, le fait du TP... bon, là, je le reprends sans avoir trouvé de vaches. Ça me fait penser à un truc, le fait du TP ou slash play, ça peut nous faire prendre des dégâts, c'est qu'on peut mettre un mode God temporairement. Si on y arrive, dès qu'on fait slash play aussi. Après, je sais pas votre avis, donc à la limite, dites-le en commentaire aussi. Oh, des vaches! Slash tome. Aniland. Animoland. Animox. Voilà, Animox. C'est parfait. Un, deux, oh yeah. Ok, il faut en laisser deux parce que du coup j'en ai trouvé que là. J'ai pas envie de tout perdre. Bon, par contre les moutons, oui. Les moutons, ouais, il y en a bien plus. Surpopulation. Allez hop, on les tue tous. C'est un massacre des populations. Non, non, je n'incite pas du tout au massacre de population. Non, non. Bon, ça me paraît ok. Donc, combien de cuir? 3. Est-ce qu'on... Non, 4, il me semble qu'il en faut 4. Bon, à la limite, je le tue. Ouais, bah oui, t'es quasiment le seul. Voilà. What? Ah ok, non. J'ai cru qu'il m'avait rien give. J'étais trop dégoûté. Mais non, c'est bon. Bon, on retourne au home base. Et là, on va pouvoir faire... Voilà. Hop. Ok. Donc. D'accord, on peut aller par là. Et on a besoin de faire notre craft avec... Alors. On a... Donc c'est le portable crafter, donc c'est juste un livre et une table de craft. La table de craft et merde, pas de livre. Putain, faut la poser. Et le livre qui arrive dans 20 secondes. Si je trouve, voilà, je trouve la canne à sucre et je fais mon petit livre. Donc le petit livre. Voilà, j'en ai un. Et là, bah, du coup, faut casser la table de craft. Donc, on a, hop, hop. Est-ce que ça fonctionne dans ce sens? Non, pas reconnu.
Et comme ça, c'est reconnu. Portable crafter. Magnifique. Ok, ça les drop bien devant, parce que si jamais ça les dropait n'importe où, dès que on quitte l'inventaire et qu'on laisse des items dedans, enfin, la table de craft, quoi. Oh, c'est parfait. C'est parfait, ça. On l'a sur nous. Au chaud. Oh, c'est cool. Bon. Ben voilà, donc, ok. C'est nickel. On va se chauffer notre petite nourriture, on va pouvoir se laisser maintenant. Donc, ah, yes, on a quand même de la nourriture chauffée déjà. Et pour le prochain épisode, je vais me trouver des niveaux pour c'est pour les, voilà, les, le, il y en a un seul, il me semble. Le backpack. Non, les. Le. Les. pour les lingots d'or, voilà. Voilà. Voilà, donc pour les lingots d'or, je me trouverai des niveaux. Donc voilà, donc oh yes. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, le Star Defender ouvre ce samedi, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, mais du coup, il ouvre ce samedi à 16h. Et puis l'event du soir, après, je vais lancer sur Discord tant à quelle heure il sera. Mais il sera le soir vers 19h minimum. Voilà, après 19h sans doute. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Tchuss!